Je vais vous montrer comment créer une adresse Gmail, qui est donc la messagerie de Google. Pour ça, rendez-vous sur le navigateur internet de votre choix, par exemple Google Chrome, puis vous effectuez une recherche sur Google, vous marquez Gmail, entrée, et vous cliquez sur le premier lien, email Gmail. Maintenant, pour pouvoir utiliser Gmail, il va vous falloir créer un compte Google. Vous cliquez donc juste ici sur créer un compte, vous renseignez votre prénom et éventuellement votre nom. On va mettre par exemple en une minute, puis vous faites suivant, vous choisissez votre date de naissance, votre genre, suivant, et maintenant vous pouvez choisir votre adresse Gmail. Soit vous choisissez les adresses proposées, soit vous créez votre propre adresse Gmail. On va donc créer notre propre adresse, on va mettre par exemple en une minute.exemple, et on fait suivant. Évidemment, si vous choisissez une adresse mail qui existe déjà, Google vous le notifiera et vous ne pourrez pas créer l'adresse mail. Il faudra donc choisir quelque chose d'autre. Vous pouvez par exemple rajouter des chiffres à la fin pour pouvoir rendre l'adresse mail unique. Ensuite, vous choisissez votre mot de passe. D'ailleurs, je vous mets une vidéo en description pour gérer facilement vos mots de passe avec des gestionnaires de mots de passe. C'est très pratique et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Par exemple, vous voyez que juste ici, mon gestionnaire de mots de passe me suggère un mot de passe. Je vais donc l'utiliser. On confirme le mot de passe et on fait suivant. Il ne reste plus qu'à mettre votre numéro de téléphone pour valider votre adresse email. Vous choisissez donc le drapeau français juste ici, puis vous rentrez votre numéro de téléphone. Maintenant, vous entrez le code que vous avez reçu par SMS et vous faites suivant. Vous pouvez rentrer une adresse mail de récupération. Pour ma part, je vais faire ignorer pour l'exemple, mais je vous conseille d'en rentrer une. Elle sera utile pour pouvoir récupérer votre adresse email si jamais vous perdez le mot de passe. Vous validez les informations de votre compte, puis vous faites suivant. Pour les paramètres, on va choisir la sélection express, suivant, on accepte les conditions et les paramètres. Lorsque c'est fait, Google va générer votre adresse email. Et voilà! Vous êtes maintenant sur votre messagerie Gmail. Si vous souhaitez envoyer un nouveau mail, vous cliquez juste ici sur Nouveau message et juste là, vous avez la boîte de réception. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.